Salut à tous, c'est la Chos et la Chas. Salut. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le compte-rendu vidéronnier du dimanche 5 octobre. Donc aujourd'hui, on n'aura trouvé que des cartes. Voilà, malheureusement, on n'a pas trouvé de jeux vidéo, donc ceux qui aiment ça. Voilà, désolé d'avance. Donc on va commencer par le plus moche. Donc on a trouvé un portfolio tout abîmé ici. Il est beau en fait, c'est un portfolio platine. En fait, on l'avait pas, du coup, on l'a pris quand même. Avec Shaymin derrière et Giratina devant. Et dedans, il n'y a que des cartes basiques, quoi. On a enlevé ce qui était bon, quoi, on a enlevé ce qui était bon pour vous les montrer à part. Voilà, quoi, c'est des trucs. Il y a beaucoup du bloc noir et blanc. Quelques reverse. Bon. Voilà, donc maintenant, on va vous montrer celle qu'on a trouvée, qui sortait un petit peu du lot. Donc celle-là, je vais la garder pour plus tard. Voilà, donc je commence avec un Ferrisson Obscur qui est très beau. Vraiment très très beau. Karchakrok, Kyurem Noir, Manaphy, Absol, Clamiral, Élécable, Majaspic, Trioxydre, Reshiram, Métamorph, la Toison d'Or. Donc on a trouvé deux high-tech, une Toison d'Or et Recherche Informatique. Elles sont en super bêta, elles sont neuves. Elles sont même pas en super bêta, elles sont neuves. Spiritomb, Keldeo, Mastouf, Kyurem Blanc, Nénuphio Shiny, un petit peu ondulée, elle a dû prendre l'eau, j'ai l'impression. Je sais pas si on voit qu'elle est. Elle est ondulée un peu. Boule de nœud, qui est très beau sur cette photo aussi, j'adore. Archéodong, Eliatron, Kyogre, Métamorph, Scarino, Jelga, qui a pris je sais pas quoi là. Et derrière aussi, il a pris de l'encre à mon avis. On dirait de l'encre. Capidestre, Lugulabre, Zoroark, Shaymin, Mandali, Zorua, c'est promo McDo. Zorua, Pyroli, Evoli, Givrali. Motisma en reverse. Minotaur, Bagaïd, Zoroark. Là on arrive à du ancien donc. C'est Ronflex de Jungle. Oups, on peut plus faire le focus. Voilà. De jungle en non-holo, par contre. Mais bon, elle est quand même très très bon état. Donc. Là, c'est Mewtwo de set de base en holo. Là, c'est Alligator de Neo Genesis. Par contre, très très très, très abîmé. Elle a pris l'eau, voilà. Voilà l'état. Voilà l'arrière. Et là, voilà. C'est dommage parce que c'est vraiment une très très belle carte, quoi. On avait trouvé le Ferrisson la semaine dernière, qui était en bien meilleur état que ça. Mais là. Mais bon, il est tellement beau qu'on l'a pris quand même. Il était dans le lot en fait. Ensuite, Ronflex. Une belle holo. Elle est belle celle-là. Voilà, on arrive à des promos. Donc, ça, c'est Deoxys X, la promo de la Pokébox. Fugurice X. Ça, c'est Celebi de Frontières Franchies. Alors, Darkrai et Giratina, on les trouve tout le temps ensemble ceux-là. On les a trouvés la semaine dernière aussi, je crois. Non? Je sais plus. Il me semble que oui. Ouais, donc encore. Voilà. Eux, pareil, on les a encore trouvés. Ils sont tout le temps. On les trouve limite presque une fois par semaine. Ou une fois par mois, on va dire plutôt. Voilà. Donc Reshiram et Zekrom, ils sont tout le temps ensemble en plus. Mais en fond, ça fait joli. Altaria X. Une très belle X ancienne. Non, elle est belle. En français. Ouais, on l'avait trouvée en anglais une fois. Là, elle est en français. Et Maganon niveau X. Très très abîmé. Enfin, tout plié quoi. C'est dommage, parce que c'est une très belle carte. Et on a trouvé quelque chose d'assez spécial aussi, une carte erreur en fait, on appelle ça. C'est pas une fausse, parce qu'on a quand même regardé, on a bien. Voilà dans quel état elle est en fait, c'est. Voilà, c'est coupé à la machine, et en général quand ça sort comme ça, c'est censé être détruit. Et là, ils l'ont pas détruit. Donc, voilà. On voit Après, le bout de l'autre on qui voit est le un bout peu là. d'une carte du au-dessus, ouais, voilà. Et après, voilà, le bout d'en bas est décollé, donc la machine a mal découpé en fait. Et ça a dû être tombé dans un booster, donc celui qui a tombé ça, franchement, il devait être peut-être content, mais à mon avis, il a dû être dégoûté quand même. Parce que la carte est assez moche. Bon, peut-être qu'il y en a qui payent pour acheter ce genre de carte. On sait jamais, hein. Mais il est tellement. Enfin, le Mediana est beau quand même dessus. Oui. On l'a pris quand même. On voit même pas son numéro, on voit même pas la série. Bon, je pense que c'est Phantom Alone, c'est marqué comme celle-là, quoi, en gros. Mais bon, je suis pas sûr, hein.
Donc voilà, c'est quand même assez peu commun quand même de trouver des cartes comme ça. Et je confirme, c'est vraiment pas une fausse, hein. On s'y connaît assez bien. Là, l'arrière, il en faut peut-être une plus récente pour comparer. Voilà, l'arrière est identique. Sauf que voilà, c'est très très mal coupé. Et puis bah voilà, on a tout montré. Des jolies pochettes qui étaient avec aussi, de platine, ou plutôt diamant et perle. Voilà. Et donc c'est sur ces belles trouvailles qu'on vous laisse et qu'on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.